je suis arrivé à Neuchâtel pour effectuer mon stage de fin d'année après avoir fait mes études à l'école d'horlogerie de Marseille et de Besançon. Après, apparemment, ils ont été contents de moi et ils m'ont proposé un contrat. Oui, la région de Neuchâtel, surtout la Chaux-de-Fonds, il y a des grosses marques comme Zenith, Rolex. C'est vraiment la région en Suisse où l'horlogerie est concentrée. Il y a une qualité de vie agréable, les gens sont sympas. Par contre, l'hiver, il fait très froid, l'été, il fait très chaud. Les salaires sont plus élevés qu'en France. Alors, je ressens un sentiment anti-français, vu qu'ils pensent qu'on vient ici pour leur piquer leur travail. Pour le logement, je suis resté 3 mois à l'hôtel avant de trouver un appartement, vu que j'étais français, ils sont un peu ils font pas très confiance aux Français. Aux jeunes Corses comme moi qui désirent s'installer à Neuchâtel, je n'ai qu'un conseil à donner. Armez-vous de patience. Pour trouver du travail, selon moi, il faut être diplômé, surtout diplômé avec des diplômes suisses. C'est une ville très conservatrice. Par contre, lorsqu'il vous y êtes intégré, je peux vous prédire une qualité de vie supérieure. Les salaires sont conséquents, les gens sont très respectueux envers les uns et les autres. Je ne pose pas trop la question à savoir si la Corse me manque. J'exerce un métier horloger que je ne peux pas exercer à ce niveau nulle part dans le monde. À terme, j'ai un projet, créer ma propre marque horlogère et après pouvoir rentrer un peu plus dans mon pays. Alors, j'ai un petit message pour ma famille, mes parents, ma sœur, mes grands-parents, tous ceux qui m'ont aidé à m'installer en Suisse et à mes amis. Voilà, et un petit bonjour à la Corse.